Qu'est-ce que je m'ennuie aujourd'hui? Je pense que je vais faire une nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. Allez, on va faire ça. Alors. Et salut les amis, c'est Chelsea Prank YouTube. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, puisque ma chaîne est une chaîne de prank, on va faire un nouveau prank et je vais pranker mes parents. Enfin plutôt, je dirais même plutôt la police pour le coup. Car en fait, je vais empoisonner leur café. Et ensuite, je vais appeler la police et je vais croire qu'il y a eu une agression chez moi et tout. Alors, mettez un max de likes. Allez, c'est parti. Je vais descendre en bas. Je vais préparer tout ça. Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps. Connecte-toi avec ton pseudo Roblox. Le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet gagner. Et là, tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offert Oro. Je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc, je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite, je gagne des points. Clique sur le texte promo code à gauche et tape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va t'en retirer, choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur Gems Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transaction in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne et voilà, enjoy tes Robux gratuits. Alors, comment empoisonner mes parents? Qu'est-ce que je pourrais trouver? Bon, déjà, je sais que, hop, on va prendre le café. C'est sûr que le café, ils vont le boire. Alors, je vais poser le café là. Hop, voilà, je l'ai posé. Qu'est-ce que... Oh, c'est quoi ça? On dirait de la sorte de Javel. Je pense que si je leur mets un petit peu de Javel dans le verre, il va pas se passer grand-chose. De toute façon, c'est pour la vidéo, ils me comprendront. Allez, un petit peu, hop, de Javel dans les cafés. Ah, parfait. Parfait tout ça. Et je parie que même il est bon le café. Bon, je vais les appeler. Papa, maman? Ah. Papa, maman? Oui. Je vous ai préparé un café très très bon. Un petit Nespresso des familles là. Vous venez? Je suis. Eh papa, t'as perdu ta langue? Non, pourquoi? Comment comme ça? Regardez juste là, il y a le café là sur la table. Regardez, oh, il est très bon en tout cas. Ah oui, ouais, hein? Ouais. Il sent bon hein, le café, hein? Ah ouais, oui, il est bon. J'ai ajouté un petit ingrédient mystère, mais vous inquiétez pas, vous allez kiffer. Une fois que tu fasses quelque chose dans cette maison. Ouais, c'est vrai, ça va. Bon, en même temps, je m'appelle Chelsea YouTube. Chelsea Prank YouTube. Tout en dans ta chambre. Tout en dans ta chambre quand t'as une vidéo de merde. Donc, au moins, tu fais quelque chose de bien dans ta vie. Bah ouais. Quoi, le café ou la chaîne YouTube? Le café, bien sûr. Ta chaîne YouTube, c'est de la merde. Quoi? C'est pas faux. Mais que vous savez que ma chaîne YouTube, bientôt, elle va financer mes études. Je gagne beaucoup de YouTube monnaie. J'ai bondi 10 fois devant tes vidéos. Tu veux de... Je te rappelle que tu veux devenir éboueuse, donc bon. C'est un métier comme un autre. Puis bon, si je continue comme ça, je deviendrai youtubeuse. Professionnelle. Ça paye combien par mois, ça? Bah, je sais pas, ça dépend plus tard. Là, je gagne au moins 10 euros par mois. Ah, enfin, ça va nous acheter un McDo, au moins. On va nous acheter un McDo, il fait pas chier. Mais je vais acheter des bitcoins, moi. Je vais acheter des bitcoins, j'investis. 10 euros par mois, je pense que c'est le bon moment que tu prends ton envol et que tu quittes la maison.
quoi ? Avec des zéros, tu vas pouvoir survivre dehors. Allez, buvez mon bon café, là. Au lieu de parler, là, savourez ce bon café, ce bon petit Nespresso. Ah, je commence à avoir sommeil, moi. Et du coup, je vais monter au-dessus. Ah, je vais me reposer un peu. Le café, ça me donne tout le temps sommeil, je sais pas pourquoi. Ah, c'est incroyable, en tout cas, le café, là, vraiment. Moi, je commence à avoir envie de vomir. Je vais vite fait aller dans les toilettes. Non, c'est pas assez bon. Ça va, maman ? Ah, je pense que mon plan commence à fonctionner. Ok, ils se sont évanouis. Je pense que c'est le moment, il faut que j'appelle la police. Alors le 911. Hop. Allô ? Oui, allô, bonjour, c'est la police. Quelle est votre urgence ? Bonjour, je vous appelle parce qu'en fait, je sais pas trop ce qui se passe. Je suis descendue chez moi et en fait, j'ai mes parents qui sont inconscients dans le salon et dans la chambre et je ne sais pas quoi faire. D'accord. Est-ce que vous êtes seule chez vous ? Oui, il y a que moi et mes parents. Est-ce que vous avez remarqué des comportements bizarres ? Non, pas du tout. Mmh. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous me donniez votre adresse et on va venir. Ok, bah je vous envoie... Ok, bah alors mon adresse, c'est 3 rue du Canard. D'accord. À Brookhaven. D'accord, je note. Eh bien, écoutez, madame, nous serons là dans 5 ou 10 minutes. D'accord, merci. À tout de suite. Au revoir. Hop, et c'est parfait. Je vais faire genre... Attends, je vais ouvrir ici. Hop, comme ça, quand ils viendront, je leur dirai... Ouais, c'est bizarre, la porte, elle était fermée normalement. Ok, parfait. Bon, j'ai plus qu'à les attendre. Hop, je vais regarder un petit peu la télé en attendant. Hein. A few moments later. Ah, je crois que la police est arrivée. Ah, oh, il y a même les ambulances. Stylé, ça sera trop bien pour une vidéo YouTube. Ah, je vais juste filmer. Hop, l'arrivée. Toc, toc, toc. Bonjour, allez-y, entrez. C'est ouvert. D'accord. Ah oui, effectivement, je constate qu'il y a eu un petit problème avec je ne sais pas qui c'est, mais je constate le problème. Ça, c'est mon père, ouais. D'accord, ben, nous allons encadrer la zone. Il est en train de baver, mon père. Vous avez la même moustache. Ah oui, et sinon, il y a aussi ma mère ici. Je vais aller la voir. Voilà, juste là, elle est dans la chambre. Bon, je pense qu'elle a juste perdu connaissance. Ah. Déjà, votre maman est morte. Quoi que... Attendez, quoi, elle est morte ? Bah, je prends son pouls, mais je sens rien. Il y a plus rien qui vient. Désolé. Et mon père, il va bien ? Je vais aller voir ça. Désolé, maman. Alors. Ah non, il a des flatulences. Malheureusement, il est mort aussi. Quoi ? Ils sont tous les deux morts, mes parents ? Ils sont tous les deux décédés ? Non, c'est pas vrai. Je vous crois pas. Bah, tenez, prenez le stéthoscope si vous voulez. Et... Écoutez. Et pourquoi ils sont morts ? Je pourrais vous dire ça une fois une autopsie faite. Pour l'instant, je ne sais pas encore la cause de la mort. Oh non. Parce que ce matin, ils ont juste bu leur café, c'est tout ? Attendez, je vais faire une prise de sang et je vais examiner tout ça. D'accord. Là. Après, je vous avoue, il y avait également la porte à l'arrière qui était ouverte. Mm-hmm. Une porte à l'arrière ouverte. Oui, quand je suis descendue de ma chambre. Mm, c'est très suspect. Je vais analyser les prises de sang, je reviens. D'accord. Venez, assistante, inspectons cette porte. Pensez que c'est une agression ? Eh bien, il faudra relever les empreintes sur la porte.
Alors, je viens d'analyser les prises de sang. Ils ont été empoisonnés. Quoi ? Ils ont été empoisonnés ? Effectivement, empoisonnés. Et comment je vais faire ? Moi, j'ai plus de parents. Aidez-moi, s'il vous plaît. Madame, nous allons vous mettre dans un orphelinat. Écoutez, parce que je vois sur le dossier que vous n'êtes pas majeure. Non, j'ai pas. Dans un an, je serai majeure, mais je le suis pas encore. Eh bien, on s'en fiche. Vous allez dans un orphelinat. Quoi ? Non, 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 non. Faut réanimer mes parents. Je suis sûre, ils vont s'en sortir. Madame, c'est trop tard. Une fois la mort passée, on peut plus revenir en arrière. Vous dites ça, mais vous avez une jambe de squelette, monsieur. C'est un accident de la routine, pas pareil. Écoutez, le médecin s'est cassé une jambe. Écoutez, il n'a pas... J'ai récupéré sa jambe. Mais c'est pas le plus important. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je vais dans un orphelinat ? Vous allez à la famille d'accueil. Non, mais famille d'accueil. Vous allez vous faire adopter, madame. Mais s'il y a une gentille famille d'accueil, ouais. Oh, ça me va. D'accord, d'accord. Bien, je note famille d'accueil pour mademoiselle Dupont. Très bien, je note. Voilà, c'est parfait. Donc, si vous permettez, maintenant, je peux embarquer les cadavres ou vous les... Oui, vous pouvez les embarquer. En plus, ils sont en train de péter, là. Ça sent mauvais dans toute la maison. Aérez la pièce. C'est bien. Au revoir, maman. J'ai vu que votre mère avait respiré un peu de bulles. Oui. Ce n'est pas commun, mais pourquoi pas. Bah écoutez, madame, vous allez venir avec nous. On va vous placer à l'orphelinat. D'accord. Bon, chère assistante, allons-y. Au revoir, papa. Laissons le médecin faire. Montez sur l'aileron, s'il vous plaît. Ah bah, c'est ma collègue qui monte sur l'aileron, d'accord. J'aime bien votre voiture. Merci, je sais. On l'a acheté très cher. Ah, je m'en doute. Mais du coup, vous allez faire quoi pour mes parents ? Vous allez ouvrir une enquête ? Eh bien, oui, pour savoir comment ont été empoisonnés vos parents. Et qui a fait ça ? Bah oui, je pense que c'est quelqu'un qui a dû pénétrer dans ma maison par la porte du jardin. D'ailleurs, j'ai cru remarquer, mademoiselle, que vous avez une chaîne YouTube. Oui, effectivement. Faites des pranks ? Oui, c'est ça, je fais des pranks. D'accord, d'accord. Bien, écoutez, nous sommes arrivés. Descendez, s'il vous plaît. Oui. Bon, il n'y a personne à l'accueil parce que ils sont en congé, donc on vous laisse ici. Faites votre vie. D'accord, ça marche. Ben, écoutez, bonne vie. Merci. Au revoir. Au revoir, ravi d'avoir pu vous aider. Yo yo yo, et bonjour à toutes les spectateurs qui suivent le Brook Haven News. Aujourd'hui, on a un nouveau news pour vous. Tout simplement, il y a une influenceuse sur YouTube qui compte pas moins de 100 000 abonnés. Elle a tué ses parents tout simplement pour avoir plus de vues, bien entendu, parce que on est en 2021 et c'est ça qu'il faut sur cette plateforme formidable. Du coup, ce qu'elle a fait, elle a tout simplement pris du café et de la Mahora et mélangé ensemble. Ça a très mal fini, quoi. On pourra vous passer des photos, bien entendu. Vous voyez là, son père, tout simplement, qui bave et qui pète. C'est assez amusant. Je pense que ça va devenir un nouveau mème. En tout cas, c'est très marrant. Et d'ailleurs, elle s'est fait arrêter aussi, d'après ce que j'ai vu. Du coup, elle est en prison. C'est dommage parce qu'apparemment, il y avait des grandes marques qui voulaient faire des OP avec elle. Mais je crois qu'elle pourra faire ses placements en prison. Enfin, j'espère pour elle. Mais n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, en tout cas. Voilà, c'était le Brook Haven News.